Salut à tous, c'est Mr Freeze. Donc on se retrouve pour la suite de FF7. Attends, je baisse mon son, voilà. J'ai fait un peu d'XP, j'ai acheté les nouveaux équipements, hein, donc c'est-à-dire les bracelets de cristal et les nouvelles armes pour les persos. Donc je garde, on va essayer avec Vincent et Ketit. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas les meilleurs persos parce qu'ils sont pas faciles. On peut pas trop les jouer. Avec leurs limites, c'est un peu chiant. En plus, Vincent, je sais pas pourquoi, il a 0 PV. ah ouais, pour info, la bague maudite. En fait, ça fait que toutes vos stats sont augmentées. Mais par contre, on a un compteur de mort au-dessus de la tête. Donc dès qu'il arrive à 0, bah, on crève. Mais ça vaut quand même le coup, je trouve, parce qu'on a quand même une minute à chaque fois. Voilà, donc là, pour rappel, hein, on doit aller... à la première méga materia, hein. Donc pour ça faut qu'on aille au réacteur parce qu'il faut empêcher, hein, la Shinra de récupérer les méga materia qui sont des materia, hein, trois fois 30 fois plus de 100 fois. Elle avait dit Scarlett, je sais plus si c'est 300 ou 30, enfin, bref. Voilà, donc forcément, vous voyez Sid, il fait des gros dégâts parce que justement il a l'anomalie. Sur les deux autres j'ai mis ruban, comme c'est sensible à quasi toutes les altérations. Bon, c'est un peu chiant par contre les combats contre des monstres un peu nuls, forcément vu qu'on les a déjà combattus avant. Parce que ça c'est un endroit où on est déjà venu au début du jeu, mais presque. Il y a longtemps, quoi. Donc on va passer par là pour aller au réacteur. C'est le plus rapide, hein, parce que si on passe par l'autre côté, sans mauvais jeu de mots, c'est beaucoup plus long. C'est un peu chiant, là. Hein. On va barrer, parfait. Oh. C'est ça qui court vite, le Cid. Son animation de course est un peu bizarre. On dirait qu'il va encore plus vite. Voilà, bon, là, je vous conseille de sauvegarder. Hein. On va pas le faire parce que sinon... de toute façon, si je le me loupe, on recommence la vidéo, donc ça sert à que je sauvegarde. Bon, lui, on va le tuer parce que c'est gratuit. En espérant que... ouais. Il est vraiment en papier. Bon, du coup, en farmant l'argent, là, j'ai un peu monté l'XP et le niveau des persos. Enfin, le niveau et les matériaux aussi, un peu. Voilà, donc. Merde, j'ai oublié de changer la vitesse de combat. Parce que j'avais mis la vitesse de combat à fond pour pouvoir farmer plus vite. Bon, c'est pas grave. On va la rechanger après. Pour l'instant, on fait que attaquer des attaques normales. On s'en fout un peu. Juste pour voir le nom des ennemis. Il y a une petite mine. Merde. J'espère que je vais pas devoir faire en vitesse maximale. Ah bah si. Merde. Je pense qu'il va y avoir un combat ou deux là que je vais devoir faire en vitesse maximale. Une scène assez sympa avec des trains. Alors là, je vous rappelle qu'il y avait des contrôles chiants. J'espère que je vais bien y arriver. Je vais faire gauche-droite, gauche-droite. On va faire triangle haut, je crois.
Ah, faut faire gaffe, hein, on peut. Ouais, ça, on va trop vite. Si on va trop vite, ça prend pas en compte. On a compris, il faut alterner les deux touches. Bon, tant pis, on sera en vitesse maximale. Ah non, c'est bon. Alors. Ça, parce que si on va trop vite. Donc là les combats c'est pas aléatoire, hein. C'est des combats toujours le même combat. Bon eux ils sont pas très forts donc ça devrait aller. Il y a un combat par bâton. Sympa la musique. Pourquoi il a pas foudre? Eh merde. Ah non mais c'est pas lui. Parfait. Ouais, quand je vous disais à la dernière vidéo que la limite était à la fois bien et nulle, ça peut vraiment faire très mal et ou pas du tout quoi. Là c'était un peu trop, j'avais pas besoin de faire ça, c'est pas grave. J'ai pas tant de dégâts que ça, hein, même avec sa foudre. On peut te soigner entre les combats en utilisant le menu. Alors lui il craint l'eau. Je sais pas si j'allais lui attendre. Non. Ah si. Bon, je conseille de faire lui attendre. Alors, je sais plus si c'est lui ou le suivant, mais il y en a qui donne des. Ah, ça le démonte. Hein. J'ai mis coupure supplémentaire, donc là en plus il va attaquer derrière. On va essayer de le voler. Il y en a qu'on peut voler, je sais. Non, c'est pas lui. Pas une attaque d'eau là. À quoi souffle. Parfait. Ah, lui il craint la foudre et on peut le voler aussi. C'est quoi qui fait de la foudre là-dessus? Trigone. Yes, c'est fait. Ah, brasse le guerrier, c'est un accessoire vraiment très bien. Voilà, toujours Seed qui parle d'attaque et contre-attaque. Donc là, balancez tous les trucs de fou hein, que vous avez. Bientôt là. Yes.
Alors si le temps atteint 0, ben on loupe et on perd des trucs en fait, à la fin on aura moins d'objets. Bon lui c'est de la merde, hein. Je suis de brûler. Il est juste bon pour nous faire perdre du temps. Yes! Nouvelle limite de Seed. C'est donc annulé et même pas. Voilà. J'ai fait accélérer au début comme un con. Voilà. On obtient le méga Ateria. Mais en fait, si on se trompe, ça change la cinématique à la place. Elle fait. Bah, le train il détruit Corel en fait. Et du coup. Là on va nous donner le matériel, vous allez voir. C'est pour ça qu'il faut bien sauvegarder avant, parce que vous allez voir la matière qu'ils vont nous donner. Voilà. Donc on donne Ultima, hein, qui est un peu la meilleure magie du jeu. Et en fait, si on détruit Corel, enfin, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire dans le temps, et ben à la place de nous donner... Enfin, il nous donne pas la Materia, Ultima, il faut l'acheter à la place. Mais elle coûte super cher, genre... je sais plus combien exactement, mais c'est genre 20 000 ou une connerie comme ça. Le gars il veut me refaire payer quoi. De rien d'avoir sauvé ton village, connard. Alors, il faut aller là aussi, si je ne me trompe pas de maison. Voilà, et par les L. Ah, on peut pas passer par là. Ah non. C'est un peu bizarre les contrôles des fois. Voilà. Catastrophe c'est quoi? C'est la dernière limite de Barrett. Limite de niveau 4. Voilà. Ce qui fait qu'on a. Ce qui fait qu'on a trois dernières limites maintenant. On a celle de. Mais dégage la gamine. Pardon. On a celle de Barrett, celle de Rouge 13, qu'on a eu dans le coffre du manoir Shinra, là, le coffre piégé, je sais pas si vous vous rappelez, avec numéro perdu comme boss. Et l'autre c'était qui? C'était celle de Yuffie je crois que j'ai. Ouais, celle de Yuffie avec la quête annexe qu'on peut faire d'ailleurs au CD2 hein, si vous préférez. Mais vaut mieux le... Je sais pas, moi je trouve c'est mieux de la faire au niveau au CD1 mais... Comme ça on a les trucs plus tôt. Ouais, avec la pagode, avec le père de Yuffie, je sais pas si vous vous rappelez. À la fin on a la dernière limite de Yuffie. Donc du coup on a la dernière limite de Yuffie, Barrett et Rouge 13. Enfin Nanaki. Voilà voilà, du coup ce qu'on va faire, un tac. Alors, maintenant on a super propulsion. On n'a pas trop vu de combat avec Vincent et Kite Seed, sauf le magnifique jeté de dés de Kite Seed. Bref, bah là y a plus grand chose à faire ici. On va voir. Ouais, ils ont même pas des bons trucs.
Métamorphose un gobelin. Oh, c'est quoi ce truc? Je crois pas qu'ils vendent des armes ici, si. Ouais, c'est à chier. Ok. Ouais, c'est les anciens magasins en fait. Alors là, bah, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va aller au Gold Saucer. Tac. Ah non. On peut pas encore. Je vois ce qu'il faut faire avant. Ouais. Ah, je peux pas vous dire sinon ça vous spoiler, mais. En gros, on peut payer à la Exit. Alors. Du coup, bah. Ouais, ça fait 15 minutes, c'est pas grave. Hein. Pas grave, on va arrêter là. On va arrêter là. Et puis. Du coup, pour la suite du jeu, il faut aller à. C'était où déjà? Merde, j'ai oublié. Corel. Putain, c'est où déjà qu'il y a le. Où c'est déjà? C'était quoi la deuxième méga matéria? Ah oui, c'était le Fort Condor. Ouais, c'est ça. Donc, voilà au Fort Condor. Sur l'autre continent, près de Junon. Junon, on le recommandait bien parce que c'est. Voyez là, c'est au bord de l'eau en fait, le petit point qui dépasse au milieu du continent. Voilà, et ben juste avant Junon. Alors, déjà, il y a ça, vous voyez, ça c'est une. Il n'y avait pas ça avant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pas comme ça. C'est l'endroit d'où est sorti l'arme qui a essayé d'attaquer Junon en fait. Enfin, il me semble. Hein. En tout cas, ouais, c'était pas là avant, donc pour moi, c'est l'arme qui est sortie. Saphir. Et du coup, le fort. Il est là. Voilà, le fort Condor, c'est la suite du jeu. Deuxième méga matéria. Donc pour la première, on a géré. Alors pour info, il y a plein de quêtes annexes, comme je vous l'ai dit au CD2, mais je peux pas encore les faire parce que il faut qu'on continue le jeu avant certaines. Il y a des endroits où on peut pas encore aller. Plus tard, on aura un sous-marin pour aller sous l'eau, il y aura une quête annexe. Il y aura la quête des chocobos, je peux pas encore la faire non plus parce qu'il faut que j'aille au Gold Saucer pour faire les courses. Il y a quoi d'autre comme quête annexe? Ouais, il y a une espèce de forêt, mais c'est plus tard dans le jeu aussi. Merde, il y a un combat. Voilà, les quêtes annexes, pour l'instant on va pas les faire parce que. Bah, soit on peut pas les faire en entier, donc ça sera un truc con. Par exemple, les chocobos, je pourrais les capturer et les élever, mais. Je peux pas les entraîner, c'est un peu con. Je préfère faire une vidéo chocobo où je montrerai tout sur les chocobos, ça sera beaucoup mieux. Et après, ouais, il y a le Gold Saucer, il y a pas mal de trucs à faire, dont la dernière limite de Cloud dans le Gold Saucer avec l'arène de combat. Et puis il y a les armes à tuer aussi, bon, ça sera à la toute fin. Hein. Voilà, il y a quand même pas mal de quêtes annexes à faire encore. On se fait une petite vidéo, mais c'est pas trop grave. Vaut mieux couper ce, comme ça que faire des vidéos où on voit la moitié d'un truc. Et puis bah du coup j'arrête là, et puis je vous dis à la prochaine pour le Fort Condor, deuxième méga matéria, où faudra de nouveau arrêter la Shinra. Allez, salut!